Bonjour, ici Hugo Valiquette, coordonnateur de la Troquel, pour la nouvelle capsule L'Entracte. Nous sommes mardi le 27 mars 2012 et nous sommes présentement à l'Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière pour le dépôt collectif des demandes PSOC. Les organismes communautaires autonomes vont aujourd'hui déposer toutes leurs demandes à l'Agence directement pendant un conseil d'administration. À cet effet, Mme Francine Lafontaine, présidente de la Troquel, va également souhaiter la bienvenue à la nouvelle présidente directrice générale au nom des membres de la Troquel. Je suis présentement en compagnie de Stéphanie Vallée, agente de liaison à la Troquel. Bonjour Stéphanie. Bonjour Hugo. Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les organismes communautaires autonomes de la région viennent au CA de l'agence? Bien, ce soir, on va faire un dépôt collectif symbolique des pages 3 des demandes PSOC. Le PSOC, c'est le programme soutien aux organismes communautaires. Est-ce que je me trompe, Stéphanie, ou j'ai entendu dire que les organismes communautaires autonomes sont présents à toutes les rencontres du conseil d'administration de l'agence? Non, tu te trompes pas, Hugo. On est là depuis environ 2 ans à tous les CA de l'agence pour prendre la parole à l'Assemblée, justement. Et qu'est-ce qu'on fait, justement, à cette parole à l'Assemblée? Bien, on essaie de démontrer au conseil d'administration, aux membres du conseil d'administration de l'agence, c'est quoi un organisme communautaire autonome, qu'est-ce qu'ils font. Puis là, dans la dernière année, on a vraiment ciblé des personnes dans les organismes communautaires qui avaient vu leur vie changer par les organismes communautaires autonomes. Merci beaucoup, Stéphanie. Cette année, à la fin du dépôt collectif, la Troquel a décidé de faire une demande d'appui formel au conseil d'administration de l'agence. Voici la demande. La Troquel demande à ce que la présidente directrice générale, Mme Lucie Leduc, s'engage à mettre sur pied un comité bipartite Agence Troquel qui développera un argumentaire conjoint sur les besoins financiers des OCA de la région, utiliser l'argumentaire développé conjointement pour intervenir auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la ministre Vient et de tout autre comité de travail pertinent à propos de la consolidation du financement des OCAS et finalement tenir la Troquel informée des résultats de ces interventions. Voilà le cœur de cette présentation au conseil d'administration de l'agence. C'était Hugo Valiquette, coordonnateur de la Troquel, en direct du conseil d'administration de l'Agence de santé et des services sociaux de Lanaudière pour la capsule L'Entracte.